Saviez-vous que vous pouvez être victime de fraude même si vous ne vous faites pas voler de l'argent ou des renseignements? En effet, une personne pourrait utiliser votre compte bancaire pour blanchir de l'argent. Un des stratagèmes courants de blanchiment d'argent se nomme la guiche. La guiche est une fraude fréquente sur le territoire de la ville de Québec. Elle porte ce nom parce que les activités se déroulent principalement dans un guichet automatique. Le fonctionnement de cette fraude est simple. Le fraudeur établit un premier contact, principalement avec des adolescents ou de jeunes adultes, via les médias sociaux ou dans des endroits publics, et lui propose de faire de l'argent rapidement et sans risque. Il le convainc de donner ses coordonnées personnelles et bancaires afin d'y transférer de l'argent obtenu frauduleusement. Il peut lui proposer d'aller directement au guichet automatique ou dans son institution bancaire afin de retirer lui-même l'argent. On observe de plus en plus une offre d'emploi de type transfert de fonds. Ainsi, la victime prêtera son compte bancaire afin qu'on y dépose de l'argent qui sera ensuite retiré. La victime se verra offrir une rémunération. Dans les deux cas, même si les fraudeurs ne visent pas dérober les économies de la victime, ils utilisent son compte bancaire pour blanchir de l'argent. Les conséquences pour la victime sont nombreuses. Son compte bancaire est bloqué pour transactions frauduleuses. Son historique bancaire est entaché. Elle se retrouve responsable de la dette envers son institution financière. Elle s'expose aussi à des poursuites civiles et criminelles. Les offres pour faire de l'argent rapidement, ça n'existe pas. C'est trop beau pour être vrai. Méfiez-vous. On ne le dira jamais assez. Il n'y a aucune bonne raison de transmettre ses informations bancaires et son numéro d'identification personnelle à quiconque. Soyez vigilants. On a tous notre rôle à jouer en prévention de la fraude.